C'est pas la bonne musique là. Mais dîner, cette semaine, la minute dîner s'est arrêtée sur Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Réalisé par Ryan Coogler, Creed met en scène Adonis Johnson, le fils illégitime d'Apollo Creed, qu'on peut voir dans les premiers Rocky, qui va tout simplement vouloir boxer, mais qui va aller voir le meilleur pour s'entraîner, c'est-à-dire Rocky Balboa. Voici d'ailleurs trois raisons pour lesquelles vous devriez aller voir ce film. Vous vous souvenez des sons de Rocky? Eh ben ça n'a rien à voir. Le réalisateur a su s'approprier la ville de Philadelphie en proposant une playlist complètement hip-hop et soul. Nas, Tessa Thompson, Jhené Aiko, The Roots, Future et bien sûr... Non, pas vraiment. Et un morceau anthologique de Meek Mill sur un remake de la scène de footing où à la place du footing, on voit des motocross. Normal, Philadelphie. Et la deuxième raison est décernée aux acteurs. La star, le number one, Sylvester Stallone. Super vieux. Reconverti en restaurateur. Super vieux. Touchant. Non mais vraiment super vieux. Ah mais c'est bon, hein, on a compris. Michael B. Jordan, le boxeur rebelle au cœur tendre, avec un nom qui fait bien méchant, Adonis. Non mais c'est quoi ce nom de merde? Bah, la prochaine fois, appelle le dimanche ou fais des lits, hein, ça reviendra au même. Et que dire de la touche féminine de ce film? Non. Tessa Thompson, une sublime métisse. Bon, mis à part son prénom, Bianca. Mais qu'est-ce qu'il avait là le réalisateur avec tous ces vieux prénoms? La troisième raison est simple, c'est parce que c'est... Mais elle n'est pas dans le film! Enfin Creed plus précisément, cet opus vaut vraiment le détour. Vibrant, touchant, émouvant, il est vraiment la claque de ce début d'année 2016. Et en plus, à la fin, vous savez ce qui se passe, c'est tout simple, et ben... Si tu as aimé la vidéo, tu peux voter pour moi au BET Talent Contest. Si tu veux devenir boxeur, tu peux aussi voter pour moi au BET Talent Contest. Et si jamais tu n'aimes pas la boxe et que tu ne vas pas aller voir Creed, tu peux aussi voter pour moi au BET Talent Contest. On se retrouve la semaine prochaine pour la minute innée. Oh, oh. Ah, c'est dur de faire de la boxe. Je crois que je me suis froissé un muscle.